What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, let's play sur le Infamous Second Son. Et je sais pas si vous vous rappelez de la petite histoire que je vous ai faite en vous racontant à la fin de l'épisode précédent que justement ça me permettait en faisant des vidéos de pas terminer les jeux en une vitesse éclair. Et finalement bah j'ai pas pu me retenir, hein, c'est quand même ma licence préférée. Donc à côté du let's play, je fais mon histoire aussi, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fini le jeu. Donc si dans les petits commentaires essayez de me spoiler, hein, comme certains pouvoirs, des petits trucs comme ça, ne vous inquiétez pas, je suis déjà au courant. Et vraiment, je peux vous avertir que ça va être grandiose, hein, ce qui nous attend, c'est juste magnifique. Ce jeu est au top. Alors on va s'occuper de cela. Il me semblait qu'on l'avait récupéré ce noyau-là. Mais bon, je peux pas faire de cac. Oh, ça y est, ils vont déjà me saouler. Tiens, bouffer ça. Allez, j'ai pas de missile. Attendez, hop. Alors, on va leur mettre des coups. Ah, putain, non, il s'était rendu, lui, quelle connerie. Mailed. On pète ça, voilà. Et on va acquérir un nouveau pouvoir. Oh, je sens que ça va être génial. Faites gaffe en dessous! Pas mal, hein? Je le refais. Ah, donc ça, c'est le pouvoir qu'on avait déjà dans le Infamous 1 et 2. Hop là! C'est la retombée qui fait très mal. Allez, hop là! Moi, je suis un gentil. J'aide des gens. Comme ça. Ah là là. J'ai tellement bon cœur. On va se propulser. Chouf. Tranquille. Attendez, on va en profiter pour se recharger un petit peu. Ah oui, mais c'est vrai que... Bah, il me semblait que je les avais débloqués, les missiles cendres, mais en fait, non. Il me semblait que oui. Hop là. Putain, laissez-moi monter, s'il vous plaît. Tuck. Là, évidemment, le truc le plus pratique au monde, voler deux fois. Donc, on a encore deux relais de noyaux à récupérer. Et normalement, on aura tous les pouvoirs descendre. Hop là. Siou. On va par ici. Vous allez voir qu'on va avoir pas mal de pouvoirs à débloquer. Pour le moment, de mon côté, j'en ai déjà débloqué deux. Je vais pas vous dire à quoi ils correspondent. Mais vraiment, c'est très bien trouvé. J'adore. Je suis preneur. Alors, merde. Oh putain, je voulais vous capturer, moi. C'était tellement plus... Ah, tranquille, vite. C'est bien. Tu sais que tu n'as aucune chance face à moi. Hop. Second pouvoir. Voilà, donc c'est le fameux missile cendre. Ok, donc par là, c'est pas une option. Il faut que ça marche. Attention, bim. Non, c'est pas vrai, c'est pas trop puissant, rien du tout. Donc voilà, et là, ils sont en train d'expliquer qu'il y a des munitions lourdes, hein. Et ça, c'était vraiment très 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 bien pensé. On se propulse. Et on va récupérer le dernier pouvoir. Au passage, je tiens à vous remercier. Hein, vous avez été très nombreux sur le premier et le deuxième épisode. C'est donc déjà un de mes let's play les plus regardés sur ma chaîne. Et vraiment, ça me fait plaisir. Et c'est aussi le let's play donc, qui a fait la meilleure entrée. C'est-à-dire que beaucoup de vues. En si peu de temps. Donc je suis vraiment content que mes abonnés soient d'attaque sur mon jeu préféré, quoi. Enfin, mon jeu préféré. Le dernier opus de ma licence préférée. Et vraiment, ça me tenait beaucoup à cœur de le faire. Et voilà, de voir que vous êtes avec moi, que vous me soutenez, c'est super. Hop là. Tranquille. Et vraiment, mais... Les graphismes, je suis toujours à donf, hein. C'est malade. Et j'espère que on aura encore du Infamous, quoi. Hein. Là, on est. C'est vrai qu'on est qu'au début du jeu, mais putain. J'espère que sur Next Gen, on aura le droit à beaucoup de suites. Et comme je l'avais dit, donc sur la fin de mon let's play Infamous 2, j'espère avoir la suite du choix méchant. C'est-à-dire que là, on est dans. On suit la suite gentille d'une Infamous 2. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est l'ancien héros qui s'est sacrifié pour sauver
tous les humains qui n'avaient pas de pouvoir, qui étaient donc en majorité. Et malheureusement, ça tuait tous les porteurs. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé pour que des porteurs aient survécu à cela. Et c'est ça qui va être tout l'intérêt, à mon avis, de l'histoire de ce Second Zone. Donc nous voici avec les fameuses grenades, hein. Donc on a les trois pouvoirs classiques des Infamous, les roquettes, les grenades et les tirs simples. Alors on va essayer de s'en capturer un max, hein. Parce que plus on va passer en fait de monter de niveau dans un karma gentil ou dans un karma méchant, plus nos pouvoirs seront utiles, donc pareil que dans les premiers Infamous. Sauf que là il y a beaucoup plus de niveaux karmiques. Et vraiment, ils ont bien amélioré les compétences, etc. C'est cool. Là, normalement, on a trouvé tous les relais de noyaux, hein, il me semble. Donc, je sais pas ce qu'ils me veulent. D'ailleurs, ils sont même plus affichés sur la carte. Hein. Y a plus rien. Ça devrait être terminé. Voilà. Ce truc de bioterroriste te travaille un peu trop, je trouve. Il faut que t'ailles te faire discret quelque part, que tu te reposes un peu. Pourquoi t'insistes avec ce truc de se faire discret? Je vais bien, c'est cool. J'en veux plus. Non. Je bosse sur une piste possible avec un inspecteur de Seattle. Mais on fera rien de plus tant que je serai pas sûr que t'as retrouvé tes esprits. Ok, ok, je vais me faire discret, comme si je savais ce que c'est. Voilà, donc mission accomplie. Voilà, donc on a attendu une petite journée. Voilà, on s'est fait discret, tranquille. Delphine, j'ai des infos sur le réseau de communication centrale du DUP. Ils disposent d'une antenne centrale qui leur permet de coordonner leurs mouvements dans les petits districts. Bon, est-ce que tu sais au moins où se trouve ce centre de communication? Eh ben, tu disais que tu voulais la voir pendant qu'on était là. Non, la Space Needle? La Space Needle. Ce test dit n'importe quoi! Attendez, on va libérer. Hop! J'espère que je me suis pas... Ah putain, bah ouais, hein. J'aurais mieux fait de le maîtriser celui-là d'abord. Bon. Il est mort assez rapidement. Toi c'est bien, hein. Ils sont quand même sages les gens dans ce jeu, ils savent qu'ils ont pas trop de chance. Et voilà, reste par terre. Alors, repose en cendre. Hop là. Et on va récupérer le petit fragment. Donc vu que toutes les améliorations se font via fragment, bah, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que dans les précédents. Parce qu'il n'y a plus système d'XP en fait. Ok Reg, je suis devant et t'avais raison. La Needle est recouverte de tout un tas de merde électrique. Et le revêtement en alu, c'est carrément n'importe quoi. Tu vas devoir grimper au sommet de la Needle. Le temps est splendide. Je vais escalader. Hey, non, 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 c'est du délire. Exact. C'est trop délire d'être génial. C'est trop délire d'être génial. Hop là. Tu pourrais bien expliquer le fait que je puisse drainer le pouvoir de certains porteurs, genre Hank, par exemple, et pas des autres, comme, voyons... Allez, disons un de ces chers soldats du DUP. C'est pas vrai, mais il l'a fait, cet abruti! Hey, Reg, commence pas avec « je t'avais prévenu ». Je voudrais seulement... une réponse. Oh putain! Je croyais que le... Ouais. Ah, j'ai stressé sur ce coup-là. Parce qu'il m'est arrivé un truc pareil dans le Killzone Shadowfall que j'ai pris. Finalement, hein. Parce qu'il y avait une remise de fou. Je suis tellement un beau client qu'ils m'ont fait une remise. Et il y avait un moment où un assassin m'est tombé sur la gueule, ah ouais, je l'ai eu mal. Hein. Putain, je l'ai même pas vu venir le truc. Traumatisé par les ascenseurs maintenant. De toute façon, les ascenseurs, ça a toujours été mes ennemis un peu, hein, dans les jeux. Il a fallu que dans le Dead Space, il y a un monstre qui m'attaque du haut d'un ascenseur. Oula, alors j'en rentre dedans maintenant, j'ai plus la même vision. Je pense que tous ceux qui ont joué à Dead Space 2 se font la même réflexion. Oh, salut Betty! Je suis à la Space Needle. Oh, alors je te rappellerai plus tard. Ramène un souvenir. Ok, c'est la boutique est ouverte. Ouais, bisous, Betty. Au revoir, mon grand. Mais calme. La meuf qui a rien compris. Ah bah, je préfère ça. Je suis sur le pont d'observation. Reste prudent, surtout. Je suis très prudent, mon petit frère. Reggie, oh non, putain. Ils se rendent trop, ces bâtards.
Ok, c'est maintenant qu'on crève l'œil de la Needle. C'est sans doute ça qui fait tenir le tout. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je t'avais encore jamais vu, toi. Hop là, carrément une armée qui... Useless. Ça veut dire qu'il est au bon endroit. Ou alors, ils aiment vraiment pas que les autres s'amusent avec leur jeu. Allez, c'est pas le moment, Delphine. Est-ce que tu vois un moyen de couper les communications? Ouais, ouais, il y a une sorte d'encre. On dirait que ça maintient toutes les antennes en place. Attendez, on va leur balancer un gros truc vénère, là. Le truc qui a détruit le cargo en un coup. Bim! Ah, voilà, il y a déjà un qui veut se rendre. Enfin, qui est à terre, plutôt. Je me disais aussi. Hop là! On va te camp out! Allez, dégage! Mais. Ah! Il est trop loin encore! Qu'est-ce qu'il me fait? Il était en train de me faire une sorte de trou noir de pierre, c'était bizarre, mais. Ah ouais, non, mais alors là, avec vos épaulettes, vous êtes en train de m'énerver vraiment, là. Putain, comment je suis une Kaira, là? Je leur mets des trucs. Putain, il va falloir que je me recharge. Il y a de la fumée. Dépêchons. Allez, voilà. Deux roquettes. Qui veut? Hop, là, tu dégages. Ensuite. Toi aussi. Ah non, ce n'est pas cheaté. Alors, mon petit copain, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des boucliers de béton? Tu as peur de moi? Allez, hop, là, je t'enchaîne, moi. Toi aussi. Voilà. Son bouclier se barre, un coup de pied. C'est bon, il est mort. Tac. Bijou, mais qu'est-ce qui se passe? Hop là, tout dégage. Hop là, toi aussi. Merde, non? Ouais, voilà, c'est bien. Il est où le petit? Hop, il se planquait là. Ou pas, en fait. Détruire l'ancrage qui soutient l'équipement de surveillance du DUP. Donner le relais de noyau pour acquérir un nouveau pouvoir fumigène. Il apparaît de nulle part, lui, non? Ah, ça promet d'être épique! Donc voilà, on vient de débloquer la super attaque. Et pour les utiliser, donc il faut maîtriser des ennemis. Et je crois que si on a en karma méchant, bah c'est plus simple parce qu'il suffit de les achever, je crois. Donc attention, c'est parti. Let's go! Oh putain, cette. Magnifique. Vraiment, les spéciales de Delphine sont génialissimes. Je vous ai perdu. Vous me recevez? Je n'ai pas de signal, chef, et vous? Rien au-delà des abords immédiats. Ouais, Reggie! Allons choper d'autres porteurs zéro pour leur piquer plus de pouvoir. La ville nous appartient! T'excite pas, un petit bout. Pas plus que ce quartier, en fait. Le DUP contrôle toujours les 98% restants. Mais on les a virés de la Space Needle, mon gars! T'as neutralisé leur centre de com, c'est tout. Ils sont peut-être sourds, mais ils sont pas débiles. Ça va prendre un bout de temps de virer tout le DUP de Seattle. Et on vient d'arriver. Ouais, tu sais ce qu'on dit. Les plus grands voyages commencent tous par un petit coup de pied au cul. Qui dit ça? Des gens. Les Chinois. N'importe quoi. Donc là, on choisit ce qu'on veut taguer. Et on va mettre ça. Parce que vu qu'on est un gentil, les gens, ils vont bien le prendre, je pense. Hey, Reg. Tu vois quelque chose d'en bas? Je parie qu'on te voit depuis Portland. Je veux que le DUP sache que je suis là. C'est qui celui-là? C'est pas un des trois fugitifs? Donc c'est intéressant d'entendre un des trois fugitifs parce que ça veut dire qu'il y a trois porteurs. Donc au final, peut-être que j'ai débloqué tous les pouvoirs possibles dans le Infamous. Enfin, sur mon autre sauvegarde, parce que Hank c'est un des premiers fugitifs, et après il y a deux autres pouvoirs logiquement. Même si normalement on devrait pouvoir avoir le pouvoir du béton vers la fin, ça serait logique hein, de nous faire avoir le pouvoir du béton. Coucou, bonjour, wow. Je vous aime, messieurs AK-47, comme ça. Ou juste le fumeur, simplement. Pourquoi il ne m'aime pas comme ça? Bim, headshot. Allez, crève. On va se débarrasser d'eux là, je sais pas c'est quoi ce délire. Vous êtes qui vous êtes les...
Des Kaira rappeurs là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, regarde, attends. Lui, on va maîtriser déjà. Hop là. Comme ça, on pourra lancer notre attaque plus rapidement. Et bim! Attendez. D'ailleurs, lui aussi, on va pouvoir le maîtriser. Voilà. Non! Oh, mais je meurs trop vite à chaque fois. Je suis une petite bouse sur le jeu. Eh oui! Je suis nul! Attendez, là-bas, il y a des fragments. Hop là. D'ailleurs, on n'a toujours pas notre nouvel objectif qui est affiché. On va péter ça. Bim! Merde. Voilà, c'est bien. On récupère donc le fragment. Ça, on pourra s'améliorer. Ça. Hop là! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus votre, votre voiture du DUP, là? Vous vous pissez dessus, maintenant? Putain, mais c'est... Pourquoi vous êtes nombreux, comme ça? Tiens. Coup de chaîne dans ta gueule. Voilà. Non. Pas d'objectif, je ne comprends pas. Alors, attendez, on va voir cette mission gentille, là, parce que j'ai jamais compris ce que c'était. J'ai jamais eu l'occasion de faire, je crois. En fait, ça doit avoir un rapport avec les Kaira en haut, là. Je sais pas. Ça consiste, on doit juste les arrêter, en fait. Ouais, c'est des trafics de drogue, en fait, ici. D'accord, drogue détruite, voilà. C'est bien. On est vraiment un gentil. Hop là, bim. Là, on va capturer ce type. Qui a demandé réédition. Mais arrête de fuir par contre. Voilà. Il a cru, lui, il a cru qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Tafrique, ouais. Trafic interrompu. Sinon, là, il y a un petit drone. Je suis sniper. Sniper de la TSI, hop là. Par contre, donnez-moi une mission, je m'ennuie un petit peu. En fait, faut toujours faire, faut profiter des moments comme ça où on nous donne aucun objectif pour récupérer des fragments, faire des trucs. Comme ça, zéro perte de temps. Mais là, vraiment, je comprends pas par contre. Hein. Je sais pas, là, c'est un peu long. J'aurais dû au moins recevoir un appel depuis. Ah, ils veulent que je teste une bombe au soufre, en fait. C'est ça leur délire. Donc on va en faire une. Et il y a des caméras qui peuvent me... Ah, je savais pas ça. C'est ça là? Hop là, plus de caméras. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Hop là, il y a un méchant. On va lui tester dessus. Tiens! Wow, du calme. Qu'est-ce que... Attendez, je pouvais faire trois trucs gentils là. Je maîtrise des civils. Truc utile, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as toi? Tiens, dégage mon gars. Ah ouais, c'est bien. Par terre. Une fois que ça c'est fait, eh bien indiquez-moi s'il vous plaît. Faut que je fasse quoi? Please. Faut que je passe peut-être un niveau karmique. Je sais pas, peut-être que ça va débloquer quelque chose. Parce que là vraiment, c'est bizarre. C'est très bizarre. Hop là. On va récupérer. D'ailleurs, je pense qu'on va regarder la map, hein, parce que c'est un peu chelou. Ou alors, ils veulent que je fasse une amélioration, peut-être. Pouvoir, missile de sang de fumée, nanana. Vapeur corrosive. Ça, c'est pratique, ça. Pour faire des captures. Guérison par conduit, ça, c'est vraiment toujours pourri. Lame mêlée. Guérison karmique, maîtrise un ennemi qui veut se rendre ou qui tousse, recharge partiellement votre santé, d'accord. Charge de soumission en direction d'un ennemi qui se rend... C'est nul. bon, là, c'est, on a fait une amélioration. Mais non, toujours rien. Je crois qu'ils me prennent pour un con, en fait. Faut que je réutilise ça, là. Hop là. Ça a rien fait. Allez, tousse. Voilà, donc là, il tousse et je peux le maîtriser. Que c'est ça qu'il fallait que je fasse, non? Même pas. Tiens. Voilà. Maîtrisé. Et ça n'a pas l'air de changer mon karma, hein, de faire ça, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Pareil. C'est trop... C'est trop ridicule. Attends, on va récupérer le petit fragment qui est là-bas. Ouais, est-ce que je suis tombé dans un vide intersidéral qui est un bug du jeu de fou? Est-ce que est-ce possible? Attendez, merde. Remets la carte. Je fais glisser avec le pad. Voilà, une fois qu'il y a là, alors qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, il y a rien. Début de la mission et objectif actuel, il y a rien du tout. Nous n'avons rien à faire. Je crois que un suicide s'impose dans les plus brefs délais, n'est-il pas? Non, je comprends pas trop. Bon, bah,
On va partir sur le principe qu'on est buggé, qu'il va falloir débloquer le truc. Donc soit par la mort, soit par peut-être un nouveau niveau karmique, on va savoir. Voilà, donc c'est parfait, là on a obtenu le truc gardien. Et peut-être que ça va faire quelque chose finalement. On va essayer de balancer notre frappe aussi. Peut-être qu'ils veulent que je teste de faire ça. Parce que là, vous avez vu que je l'ai donc redébloqué. Ah, où sont les méchants? Et si ça marche pas, bah on devra se suicider, hein. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On aura plus trop le choix, hein, à ce moment-là. Attendez, là c'est bien la tour de... Ouais, ça, donc là on a détruit les coms. Et là autour, il y a du DUP. On va essayer de détruire un de leurs camps. Voilà, ils sont très nombreux. Déjà, on va s'occuper du paquet, là. Voilà. Et attention à la chute. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, on peut se diriger hein, sur la chute, voilà. Bim. Quand on a un petit truc de noyau. Et on se reconstitue. Donc j'ai fait 6 ennemis maîtrisés, chaîne de karma, tout ce que tu veux. Et ça n'a toujours pas marché. Je sens que... Ouais, ça va être du suicide. Allez, on va se laisser tuer. Allez, s'il vous plaît, tire, vas-y. Voilà, c'est bien. Il y a des moments quand même dans les jeux, tu vois, tu lâches la manette, tu meurs pas pendant un moment, hein, c'est bizarre. Ils ont pas l'habitude que les mecs se laissent faire. Bon, là, s'il vous plaît, une mission. Please. Donnez-moi une mission. Donnez-moi une mission. Il y a un Vince là, c'est pas possible. Drone traceur, graffiti, confrontation verrouillée. Super, c'est bien ça. C'est comment je veux continuer mon histoire. C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'indication, rien du tout, ça là. Une sorte de relais de communication, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Deuxième partie de la ville ici. Ah, je vois pas trop, non. Je ne vois pas trop ce que je suis censé faire. Bon bah écoutez, on va laisser courir. Hein. Au cas où j'arrangerai ça pour le prochain épisode, donnez-moi des astuces dans les commentaires parce que ça m'est pas arrivé ça. Déjà dans le... Bah dans ma sauvegarde à moi, bah ça n'a rien fait. Les missions, elles venaient toutes seules. Hein. Alors bonjour les amis. D'ailleurs remarquez que c'est le même trafic de drogue que précédemment. C'est au même endroit. Et pourtant, je suis toujours au niveau karmique protecteur. Ah bah voilà, bah putain, bah, c'est maintenant que tu te décides à appeler. Je te déteste. C'est pas idéal pour parler. Je te retrouve à l'angle de la 4ème et Vickers. Voilà. Bon, tout rentre dans l'ordre. Suffisait donc de... se laisser tuer, quoi, tout bonnement. Hein. Parce que là, il y a eu un petit bug. Ça va, c'est réglé. Plus de problème, enfin j'espère. Et on va donc à la mission suivante. Alors, vous allez remarquer plus tard, hein, quand on va débloquer nos nouveaux pouvoirs, que celui de la cendre, hein, c'est un peu le plus moisi. Personnellement, c'est celui que j'aime le moins. Bon, il est stylé, il va bien à Delsine, mais le truc, c'est qu'on est lent, en fait. Je trouvais des placements superbes, mais après avoir découvert les nouveaux pouvoirs, j'ai vu qu'en fait... Bah, les déplacements du pouvoir de centre, ce sont les plus nuls. Et les autres, mais comment... Waouh, vraiment, c'est des déplacements de fou. C'est magique. Vous allez voir. De toute façon, on va bientôt débloquer un nouveau. Et c'est extraordinaire. Par contre, on voit qu'ils se sont inspirés du jeu DC Universe. Je ne sais pas si vous voyez lequel je sais. D'ailleurs, il est gratuit sur PS4. On voit qu'ils se sont inspirés, hein, ils ont fait donc genre 3 pouvoirs, et sur chacun des pouvoirs, bah, le déplacement ressemble à un déplacement de DC Universe. On a le choix entre 3 déplacements, il me semble une sorte de truc qui est lié à la télékinésie, une téléportation comme on pourrait justement assimiler à ça, là, la petite téléportation de cendre. Après, bon, du coup je vais devoir vous spoiler, hein, mais bon, ceux qui connaissent pas DC Universe ne pourront pas voir. Il y a aussi un pouvoir qui est une course rapide, hein, un petit peu à la Flash, qui court sur les murs et tout. Et après, tout bonnement, ben, le classique Superman, hein, tu voles, voilà, en gros. Donc, ils se sont vraiment beaucoup inspirés de ça. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il y a l'objectif qui est en bas. Une fois qu'on l'atteint, il va falloir faire autre chose, je crois. Bim! Une fois que je suis ici, voilà, il faut que je détruise le machin qui est là-bas. Donc, fillon, parce que là,
Et Fillon, tout à fait, je fais de la pub pour le parti UMP, moi, maintenant. Je sais même pas si c'est UMP, Fillon, normalement, oui. Poum ! Poum ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merde. Dégageons vite. Ah, tu te rééditionnes alors que je fuis. Je trouve ça tout à fait logique. Ouais, qu'est-ce qui vient de se passer, là ? D'ailleurs, on va drainer la fumée ici. Elle est sortie de nulle part. J'ai pas compris le délire. Et vite. Hop, là. J'ai envie de rattraper un petit peu le temps perdu sur ce bug, hein. Pourvu qu'on avance vite sur ce jeu. Hop là. J'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. C'est vraiment au top, hein. Et bim. Alors, où sont les méchants? Y'a pas de méchants? Bon bah tant mieux, hein. Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Tac. Oh, mais laissez-moi tranquille. Ça y est, vous vous ramenez tous maintenant, comme ça. Quand la fête, elle est finie. Attends, mais rentre dans le truc. Voilà. Putain, y'a eu ce bug de merde. Bim. Hop là, trois trucs en moins. Toi, tu dégages. Waouh, comment il a pas dû comprendre sa vie, lui. Pourquoi, moi? Tiens. Hop là, des coups de chaîne. Bon, tu dois te sentir mal à ce moment-là, quand tu te prends des coups de chaîne comme ça, un petit peu. Tu dois pleurer aussi, hein. Allez, je te capture. On va bientôt pouvoir réutiliser notre pouvoir de fou. Putain, vraiment, hein. Pouah, magnifique. Quand le mec, il sort de l'aération comme ça, c'est énormissime. Coucou, copain. Ah, mais j'aime pas quand ils font des phases comme ça en fuyant. Ah, tu te rééditionnes, voilà, c'est parfait. Vous avez vu au milieu du combo, hein, vous pouvez faire le truc, ça se cancel vraiment bien. Et en plus, ça fait naturel, c'est pas comme si le mec, genre, il TP ses mouvements directs comme ça. Ça fait vraiment, t'as l'impression que ses bras, ils sont revenus au point. Et après, il fait le truc, c'est vraiment très bien. Tiens, mais, oh, qu'est-ce que tu te barres comme ça? Qu'est-ce que tu te barres comme ça? Mais putain, bah, ça y est, y a plus personne. De tantouze. C'est toi, tantouze, là, viens là. Là, je te défonce. Hop là. Oh, j'aime pas ça. Hop là, esquive. Allez, meurs, ouais. Meurs un peu, non? Dégage, je n'aime pas cela. Ah, d'accord, tu m'as fait une sorte de piège dégueulasse. Parce que pour se libérer des trucs de béton, comme ça, il suffit de faire le rond, hein, la petite TP, comme ça. Vous vous dégagez facilement. Ils sont en train un peu de m'emmerder, hein. C'est pas pour dire, voilà, mais bon. On va péter les trucs de ce côté-là maintenant. Ah, mais j'ai plus de pouvoir. On va aller chercher sur le toit. Tu dégages, mon gars. Tu dégages. Eh oui. On va là. Hop là. Tchoup. Ah, super. Mais c'est parfait, ça, les gens qui se rendent comme ça. Putain. Non, on n'a pas à se faire chier. La petite cheminée qui est ici. Voilà. Hop. Oh, sinon, je sais pas si je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, mais j'ai remarqué que pour une fois. Ils ont pris une ville réelle, hein, Seattle, donc qui existe, hein, si je ne m'abuse, en vrai. Hein, et alors que dans les premiers Infamous, c'était des villes complètement inventées. Hein. Après, moi, je préfère que ce soit des villes inventées, personnellement. Surtout qu'on a commencé sur deux villes inventées, donc tant qu'à faire, pourquoi pas le faire jusqu'au bout, quoi. Et bim! Voilà, ça c'est fait. Poste de contrôle mobile détruit. Alors, il y a des récompenses de quartier, ça je savais pas. Fragments affichés sur la carte. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est un petit peu comme ce qu'on pourrait assimiler à du repérage dans Assassin's Creed. Vous savez, quand vous allez en haut d'une cathédrale ou un truc comme ça, vous faites un petit repérage et vous avez la map. Alors, on n'a pas vraiment la map et on a les points importants qui sont affichés. Donc ça va, c'est cool. Là, d'ailleurs, il y a le petit drone. Arrête-toi, monsieur le drone. Je te tourne. Putain, j'arrive pas à l'avoir, hein, vraiment. Je voulais me la péter en le chopant de tarpin loin, mais... Mais arrête-toi. Voilà, c'est bien. Putain, mais je me fais tirer dessus, là, à vue. C'est qui les malins? C'est vous? Bim, allez, hop là. Hop là. C'est bon, je pense qu'ils feront moins les rigolos. Allez, hop. On va prendre la mission. L'âme au drapeau. C'est pourri, hein. Je sais pas si vous avez remarqué,
mais il y a un gros clin d'œil juste en face de nous. Voilà, c'est l'intérêt de refaire les jeux, c'est que je l'aurais jamais vu. À cet endroit précis, Cole, Mac, Grass, électronique. Énorme. Voilà, j'ai eu ma petite référence à Cole McGrath. Voilà, donc évidemment, pour ceux qui connaissent pas Cole McGrath, c'est donc le premier héros d'une Infamous 1 et 2, et qui se servait évidemment du pouvoir de... de l'électricité, quoi. Donc, énorme. Cole, es-tu là? Je sais que tu as envie, et qu'en fait, tu vends des... que tu vends des téléviseurs maintenant. Viens ici. Viens ici. Je veux te voir, Cole. Je savais que tu n'étais point mort. Bon. Jolie référence. C'est un petit easter egg. Enfin, genre, la première fois que ce soit un easter egg, qu'on puisse rentrer et voir Cole à l'intérieur, ça aurait été vraiment drôle. Mais non. Donc voilà, fier d'avoir trouvé ça. Vraiment, content. Je suis content. Et ils ont fait exprès aussi de le mettre, évidemment, à un point de mission. Pour que le plus de gens possible puissent le voir. Et je l'avais pas vu la première fois, j'étais tellement dans le délire que... Ah, je suis content. Et oui, des petits trucs, ça suffit, moi, pour me rendre heureux. Et là, vraiment, c'était très sympathique. En fait, il y avait peut-être que Burger Royal, non, là, par exemple, c'était juste King Burger. Hein. Ils font des petites références comme ça. Mais bon, pour Electronic Cole McGrath, ça reste le top. Peut-être que si on arrive à trouver une station d'essence, on aura la station d'essence Nyx. On va savoir. Ça peut être vraiment très drôle. Faudra qu'on cherche. C'est cool. Nous y voilà. Pas toucher à tes potes en bleu. Merci. Je vois pas l'utilité d'avoir des pouvoirs de fumée si je les utilise pas. Ah, et revoilà mon petit frère. Sauf qu'une fois qu'on est là, examiner la scène de crime. Ah oui, c'est vrai. Et oui, parce qu'il y a des crimes à Seattle. Les experts Seattle. Hop là. Quelle jolie scène de crime, dis donc. Donc, j'ai trouvé la victime. C'est bien l'œuvre d'un porteur. Ça se la pète. Hein. Bon, il faut que tu prennes des photos de la scène de crime et que tu me les envoies. Tout ce qui pourrait nous servir. Bien, allons-y. Voilà tes blessures. Je me demande quel pouvoir a fait ça. Boule de feu, laser... Oh, le regard qui crame la peau. Alors là, j'adorerais absorber le pouvoir du regard qui crame la peau. Delsin, même si le gars qui a fait ça est bien un porteur zéro, on sait pas encore si cette histoire de transfert de pouvoir va marcher. Si ça marche, ma toute première victime sera celui qui a eu l'idée de m'appeler l'homme au drapeau. Delsin, arrête de te prendre la tête avec ça. On reprend en photo le même truc. Ok, je t'envoie la photo, mais je crois qu'il a fermé les yeux. Reg? Non, il a bien les yeux ouverts, mon petit. D'ailleurs, on le détache même pas. On le laisse comme ça. Aidez-moi! En fait, je crois qu'il est mort. Il est mort ou pas? Je sais pas. C'est mangé quand même. Ah ouais, c'est mangé 4 trucs de rayon. Ça a dû faire mal. Ah là là. Barry on you. Hop là. Voilà, new scène de crime. Qu'est-ce que vous descendez comme ça pour m'attaquer? Il n'y a plus de respect ici, il n'y a plus de respect, c'est n'importe quoi. On se bat dans les rues comme ça en se téléportant à coups de cendre. Il y a des gens comme ça, ils nous attaquent, ils nous tirent dessus. On peut plus vivre tranquillement. Mais non, mais c'est vraiment, non, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Moi, je vais remonter la teneur en porteur de cette ville, comme ça on pourra se défendre hein, contre ces fous là. Il n'y a vraiment plus de respect, c'est n'importe quoi. Alors on va par là-bas. Donc on est sur une nouvelle scène de crime, par contre il y a des méchants. Bande de méchants. Bim, voilà. Oh non, pas lui. Oh, juste pas lui s'il vous plaît. Non, arrête. Cette esquive malade. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Regardez, lui il fait son rigolo maintenant que j'ai mes nouveaux pouvoirs là. Surtout que je peux même plus m'en servir. Hop là, voilà. Tac. On va se le prendre. Eh oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, ça donne des trucs super stylés hein, dans ce jeu. A chaque fois, je fais des trucs comme ça pour pouvoir utiliser mon gros coup de poing. Bim. Voilà. Allez, continue. Morph, mon gars. Ah. Ah. Tu as fait l'erreur de ta vie. Allez, voilà. Reste par terre, con. Là. Le pouvoir stylé. Oh là là, ce jeu. Mais ce jeu. Regardez ces petits cons, là. Ils savent pas ce qu'ils leur attendent. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Poum. Allez, hop là.
putain, magnifique. Oh, ils sont quand même assez nombreux, hein. Hop là, wow, stop. Du calme, voilà, je vais vous remettre un gros punch. Bim, voilà. Ça calme direct, hein, vraiment, le coup de poing comme ça, là. Ils font moins les rigolos après. Ah ouais, c'est bien, t'as fait le bon choix, mon petit. Tu pourras vivre plus longtemps. La scène de crime, il y a toujours des vilains à côté. D'ailleurs, la plupart sont sur les toits, j'ai l'impression, non? Hop là. Bonjour, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a personne? Ah, te voilà. Hop là, combo. Allez, va par terre. Allez, dégage. Voilà, c'est bien. Mais... Oh, il y a des snipers. C'est toi le sniper? Mange-toi ça. Mais... Ah ouais, mais toi, d'où tu sors, vraiment? Comme ça. T'arrives, on t'a même pas invité. N'importe quoi. Ah, j'ai plus de pouvoir. De la fumée, s'il vous plaît. Hop là. D'ailleurs, Vlay, tout à fait. Vieille blague d'un de mes abonnés. Pour recharger ta fumée, n'oublie pas de prendre des cigarettes. Tout à fait. C'était énorme blague. C'était très très drôle. Petit clin d'œil à toi. Hop là, dégage. Alors lui, s'est pris juste un vieux coup... Ah non, je me disais aussi, mais tu meurs d'un vieux coup de pied, toi. T'as raté ta vie. Hop là. Hop là. Et là, attention. Et bim. Voilà. Je crois qu'il a plané, non? Il est même plus retombé, le pauvre. Complètement pulvérisé. On va s'occuper du mec qui est juste en bas. Oh non, il était là. Merde. Allez, vas-y, barre-toi. Ah, voilà la magique. Il m'envoie un message. J'irai voir plus tard. À mon avis, il veut sûrement que j'aille sur Skype. Je fais une vidéo, mon petit. Je te rejoins plus tard. Putain, mais arrêtez. Combien vous êtes, sérieusement? Je veux juste checker une scène de crime. Et vous êtes obligé de m'emmerder comme ça, là, tout le temps. Allez, tiens, mange-toi la grenade, non? Ça marche pas? Grenade, voilà. On va pouvoir le capturer, normalement. Sauf que je me suis failli comme un caca. Et coup de poing, hein. Ah, ils sont saoulants, hein. Sérieusement, vous êtes très relou. Quand vous vous y mettez comme ça. Quand vous vous y mettez. Là. Ah! Mon français. Donc une fois que je suis là, est-ce que ça y est, je suis tranquille, je peux faire quelque chose là? Visiblement non, ils veulent pas, hein. ils sont pas très chauds, ils préfèrent me faire chier là en mettant des bouts de béton sur les murs. Vandale. Meurs. Ah, putain, et toi là? Ah, j'ai plus de pouvoir, super. Super, vraiment. C'est en train de me prendre le chignon. De la fumée ici. Hop là. Allez. Et encore deux ennemis. Putain, à chaque fois, il y en a un qui se rajoute à l'appel. Toi, t'es mort déjà. Voilà. T'es en train de tomber. Fait non. Voilà, t'es mort comme une merde. Toi aussi, c'est bien. Et maintenant, on va pouvoir tranquillement... checker la scène de crime, s'il vous plaît. Putain, ils sont en train encore d'amener des gens. Ah non, c'est bon. Je peux examiner, visiblement. Trouvons des indices. Bon, il faut reconnaître que ce porteur a du style. Du genre... poste dégueu. Ok, il faut que tu... Laissez-moi deviner, visage et blessure. Si c'est pas trop demandé. Si, poitie. Et c'est parti, je t'envoie les blessures. Inutile, j'ai son identité. C'est un dealer, il a un casier long comme le bras. Fous ses affaires, on saura peut-être pourquoi le sniper l'a choisi. Trouver la cache de drogue du dealer mort. Voyons. Juste ici. Bordel de quoi? Putain, mais quoi? Delsin, ça va? Ouais, j'ai trouvé le tireur. Je vais le suivre. Sois prudent. Très bon conseil. Putain, c'est quoi ce Dragon Ball Z, là? En train de me faire du Dragon Ball Z, attends, c'est ça? Moi, je vais t'apprendre. M'en parlez pas. C'est bon, je suis comme vous. Enfin, je suis pareil. Voilà, donc elle utilise la super course, comme vous pouvez le constater. On va pas la lâcher. Et une fois qu'on aura terminé cette petite course poursuite, on arrêtera notre vidéo ici. Tiens, je te défonce. Allez. Putain, mais regardez à la vitesse où elle va. Putain, j'ai hâte de débloquer le pouvoir. Stop, reviens. Vite. Ça fait plaisir. Tu l'as eu? Non, il a filé. Vite, genre super méga vite. Flash porteur. Ouais. Rien à foutre du regard qui crame. C'est ça que je veux.
vie est un péché. Hey, y a un truc marrant, mec. Avant chacun de ses tirs, le gros néon derrière lui faiblissait un peu. C'est sans doute la source de son pouvoir. Retourne au néon et dis-moi ce que tu trouves. Ok. Bon, attendez, on va essayer de fuir un petit peu le truc du DUP. Et on va se quitter sur ça, on ira à la planque la prochaine fois. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. J'ai encore une fois vraiment kiffé vous le faire. C'est quand même un putain de jeu de ouf. J'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine.